live. Voici donc Sidiki Diabaté. Me fais confiance, mais je te fais confiance. Quand nous la mettons, ma calèque là. Mon chéri, n'a bisou, venez pour venir la joie. Écoute-moi et fais-moi confiance, il faut pas te fâcher. Je suis fou de toi. Fais-moi confiance, c'est l'une des chansons phares du nouvel album de Sidiki Diabaté. Diabaté Ba, musique spéciale recommandation. Dis donc, toi l'invité. Ok. Claudie va te poser des questions. Ok. Et tu vas lui donner les bonnes réponses. Sidiki Diabaté, bonne arrivée. Ça va, alhamdulillah. Bon, tu vas bien, me semble-t-il. Alhamdulillah, je vais très bien, comme on le dit, akumateke. Bon, tu savais que la vidéo était là, donc tu t'es habillé, tu as mis ton costume de lumière, et ça nous fait plaisir. Et puis il y a la tradition représente. Et la modernité lorsque tu t'habilles, lorsque tu chantes. Ah oui. En tout cas, j'essaie toujours de représenter ma carte d'identité. Ouais. Je suis africain. Ouais. Je suis malien. C'est bien. Je suis le Sidiki Diabaté d'Afrique. C'est bien de le dire comme ça et tu vas comprendre pourquoi dans un instant. Alors c'est vrai que tu es adulé par des millions de fans. Un succès impressionnant. Diabaté Ba Music, c'est ton premier album international, même si effectivement il y a eu les deux productions avec ton papa, Toumani. Vraiment, cet opus-là, c'est celui qui va marquer ta présence discographique dans le monde de la musique. Et pour beaucoup, ce succès-là est un succès fulgurant. Est-ce qu'il t'arrive, toi, de t'interroger sur, justement, sur ces succès, sur ton début de carrière, sur toutes les victoires que tu glanes ici et là?
En fait, alhamdulillah, rabbil alamin, je dirais juste que s'il y a du bon travail, il y a toujours un bon fruit. Seul le travail paye. Et avec l'expérience que j'ai eue à passer avec les parents, avec avec mon père, Toumani Diabaté, avec des grands comme Salif Keïta, avec des stars mondiales, ça m'a permis de me retrouver, tu vois, de faire un mélange musical qui donne un goût extraordinaire, qui n'a même pas de nom, tu vois. Tu es issu de la 72e génération de virtuoses de la kora, tu es un diabaté. Oui. Tu es également un des rares artistes du Mali, oui, à essaimer dans toute l'Afrique et à être très présent en Afrique centrale. Oui. Est-ce que, et là je fais une passerelle avec ce que tu disais tout à l'heure,